J'ai partagé le monde en deux. Pour moi, d'un côté, il y a des gens sains, et de l'autre côté, il y a des gens malsains. Quand je suis avec les militants du NPA, je vois des gens, je ne vois absolument pas des gens malsains, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que je vois des gens de modestes conditions. Et ça me plaît beaucoup. Quand j'entends aussi des hommes et des femmes parler, et qui font partie de ce mouvement politique, le NPA, j'entends des gens qui ne sont pas gangrénés, je dirais, par ce mal qui s'est répandu dans toute la société et qu'on appelle le politiquement correct. C'est un désastre, le politiquement correct. J'entends des gens qui nomment les choses, qui disent les choses. Et ça, c'est très important. Et ce que j'aime beaucoup avec Philippe Poutou et sa femme, ça va peut-être paraître désuet ce que je vais dire, mais je vois des gens gentils. Et ce qui me plaît avec Philippe, c'est que je vois quelqu'un qui est déterminé et qui sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et ce qui me plaît beaucoup aussi avec Philippe, c'est que quand il est devant moi, il y a toujours un moment où il baisse un peu la tête, il a un petit sourire en coin et il me fait penser à un enfant qui va vous piquer vos billes. Et ça s'appelle le charme. Et ça c'est très joli. Et puis, j'ai fait 4 livres. Voilà. 1, 2, 3. 3 recueils de poèmes chez Gallimard. Et un dernier livre, Les corbeaux sont les gitans du ciel, où je raconte ma vie. Et cet été, je publierai un autre recueil de poèmes. Voilà. Et j'ai un petit cirque qui s'appelle Romanes, cirque de Zigane. Et je fais de la musique baroque avec un luth. Voilà. Autrement, pour me présenter un peu plus, j'ai une femme, une belle-mère, 5 filles, 20 chats, tous des sauvages.